الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous on peut continuer avec nous laissons iman devant le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on dit avec et tiens laissons des sessions seulement. C'est même passé une cause un petit peu concernant une comparaison entre le Coran et la Bible. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons cause concernant le Coran. Le contenu du Coran. Qui est là comme ça de Coran? Qui Bazan Lola nous dit, c'est un livre qui sortit depuis Allah, c'est un livre complet, c'est un livre qui un livre de la guidance, un livre qui amène la lumière dans la vie, il enseigne ce qui nous besoin. En d'autres mots, nous donne, nous rassure à nous que le Coran c'est un message depuis les créatures. Coran, c'est un message depuis le Créateur. Alors, vous vous mettez devant eux 23 points qui nous capables de dire c'est le contenu du Coran. Alors, quand vous réfléchissez ça, dans ça, un livre là, il y a tout ça là, et quoi on a voulu dire, d'une façon qui, une information, un message, d'une façon mélodique, veut dire, quand nous pouvons écouter, un plaisir pour écouter, apporte qui nous a tout ça un message là-dedans. Apporte qui nous a tout ça un message important là-dedans. Comment nous connaît? Un dimanche, quand il peut faire, il peut écrire un poème, par exemple, pour plaisir aux oreilles. Alors, il y a quelque chose qui faut, il faut les traverser, parce que ça peut faire plaisir aux oreilles. Les mettre l'emphase au plaisir aux oreilles. Quelque chose qui est irréel, quelque chose qui n'est pas vrai. Et quelque chose qui est important, qui est bizarre, et dire, il n'y a pas de dire, parce que ça n'a pas fait son avec sa son. On ne voulait plus faire un plaisir aux oreilles. Si nous disons, un dimanche, il peut écrire, il peut vouloir mettre l'emphase devant quelque chose qui est important. Nous ne pouvons pas quelque chose qui est important, oui, mais nous ne pouvons pas dire d'une façon mélodique. Il est important de mettre l'emphase sur l'importance. Il est important ça quelque chose là. Par exemple, je dis, une madame, je dis, M. Gilbab. Elle a la loi ça, le Coran. Ça, la loi là, Allah Rabbou l'Alamin, tu me dis dans le Coran, mais pas d'une façon qui, quand nous peut écouter, il peut passer juste comme la loi. Et qui n'est plus un plaisir pour écouter. Alors, nous voulons, en vitesse de vitima, pour qu'il nous termine cette saison, Coran, qui est dans le Coran? Quand nous lisons le Coran, qui est quelque chose qui nous passe par ça? Numéro un, l'invitation pour réfléchir au Coran. Le Coran veut dire nous, réfléchir au Coran. Réfléchir au Coran, c'est un livre miracle, la parole du Créateur qui vient descendre, un prophète analphabète. Il amène la lumière dans la vie de Benjamin, il amène la lumière dans l'équipe de Benjamin, il amène la prospérité dans la vie de Benjamin. Donc, ça, c'est un premier quelque chose. Le Coran, puis montrez-nous, puis appelle-nous pour réfléchir au valeur Coran. Son message, son contenu. Et ça, dans lui-même, une preuve qui c'est un message qui s'occupe des créateurs qui vient. Parce qu'il y a un timon, par exemple, il ne prépare pas une petite chose, les poupées et la critique l'eau là. Et alors, vous n'allez pas vous mettre l'emphase autant l'eau, étudiez-le, réfléchissez l'eau là. Qui veut, hein, parce que c'est un dimanche pour réfléchir, là, mais il faut trouver la défaillance. Et là, il n'y a rien, il y a un défaut. Donc, le Coran, Allah, il nous demande de réfléchir au Coran. Afin d'être de bon dans le Coran.
أفلا يتدبرون القرآن؟ Est-ce qu'ils ont pas réfléchi au Coran? Est-ce qu'ils ont pas réfléchi au Coran? Ça, c'est un exemple. Beaucoup d'exemples comme ça, de Coran, viennent devant nous pour réfléchir au Coran. Qui fait? Parce qu'il peine à la frayer. Là, qui quand pour réfléchir au Coran, elle dit, vous trouverez le Coran. Peine à sa possibilité là. Et quand du monde commence à méditer le Coran, les vous trouvent une quelque chose qui n'a pas beau dans le Coran. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, le Coran, nous est dans la description du Créateur, pour ce ban jolino, et ce ban caractéristique noble. Le Coran, il vient nous connaître les Créateurs, les uniques. Voilà ce ban nom, voilà ce ban caractéristique. Les Créateurs, et celui qui donne la vie. Et celui qui donne la vie, l'amour, les celui qui veut la vie tomber, les celui qui répond à nos doigts, le Créateur, lui-même, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam. Alors, ça, c'est un deuxième contenu du Coran. Le Coran fait nous connaître qui s'alla Allah. Et ça, il prouve, nous, que le Coran, il y a un message depuis le Créateur, parce qu'il. Si le Créateur peut descendre un message vers une créature, créature ne connaît tout, pas une bonne créature la même, mais qui ne connaît rien, pas connaît. Quelque chose qui est plus important pour nous connaître, c'est nous connaître nos créatures. Alors il n'est pas capable d'un message depuis le Créateur, pas peut connaître les créatures dans sa message. Non. Coran, il met l'emphase, l'oban, nom du Créateur. L'oban attribut du Créateur. Numéro 3, l'invitation pour adorer le Créateur seul et l'empêchement associé à une créature dans l'adoration du Créateur. Alors, dans le Coran, il y en a beaucoup. Panayat, qui peut dire au Bandimon, le Créateur unique, adore-lui tout seul, pardonne-lui apporte-lui. Au Bandimon, le Créateur unique, adore-lui tout seul, pas associé non ni dans son adoration, ni ros, ni pied, ni djimoun, ni la ligne étoile, n'importe quoi. Ça c'est le message du Coran. Adore les créateurs seuls. Pas adore non ni avec lui, ensemble avec lui, pas associé non ni dans son adoration. Ça 3. Numéro 4. La mention de ben, signes qui prouve l'existence du Créateur et son capacité. Le Coran a beaucoup d'ayats. Par exemple, Omin ayatihi, Omin ayatihi. Parmi Allah, il y a parmi ce manci, Omin ayatihi, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddata wa rahma. Pour un signe d'Allah, Allah ne crée pour une épouse et il met l'amour et pitié. Entre les autres, l'affection et pitié hein, entre les autres. Ça, c'est un signe d'Allah. À l'intérieur, il y a un ayatihi. Pour lui, c'est un signe. C'est différence de couleur, de cette langue, différents langages. Pour lui, c'est un signe. Sommeil. Alors, dans le Coran, à l'intérieur, il fait mention un signe qui prouve l'existence du Créateur et capacité du Créateur. Guette Allah sa capacité. Guette Allah sa capacité. Donc, quand on fait un livre, comprends bien, quand on t'explique concernant l'Iman dans le prophète, comment on va dénigrer le prophète dans le livre, dans la Bible. Quand on fait les histoires du prophète, certains prophètes dans la Bible, peut qu'on va dire, on peut trouver un film, il pas augmente la frayeur du tout. Tandis qu'on peut dire au Coran, il fait mention d'un signe du Créateur sur l'existence et sur capacité. Sur l'existence et sur capacité. Cinquième, la mention de la faveur du Créateur sur la créature. Le Coran, Allah Ta'ala fin dit, mon fait faveur aux autres, mon donne aux autres, moi, manger, boire, mon fait la pluie tomber, mon fait faveur aux autres, mon fait faveur aux autres, mon fait faveur aux autres. Alors dans le Coran, il y a mention beaucoup de cette chose-là. Ben faveur les créateurs, le ben créature. Ben faveur les créateurs, le ben créature. Et ça, définitivement, il fait un démon humble. Il fait un démon reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça,
li bo amene la vie ki kore lo sa la terre là donc dans Coran il a ça un bon partie du Coran parce qu'on s'en a faveur les créatures les sont créatures numéro 6 dénonciation de ligament et falsification les gens du livre dans Coran il y a beaucoup concernant Ahlul Kitab. Qui s'appelle Ahlul Kitab là ça? Ahlul Kitab, c'est pas nous qui fait un livre avant nous. Avant le Coran, qui ça livre qui descend dans le Coran, c'est Torah, Injil, qui. Zub, et ben chrétien prétend, je peux suivre ça des livres là. Alors, dans le Coran, il met l'emphase, ou là, il y a beaucoup d'ayats qui peuvent cause concernant ça. Oh ben Ahlul Kitab, je ne falsifie ce livre. Oh ben Ahlul Kitab, je ne tombe dans les gamins, je fin sans je modifier la religion du Créateur. Alors, dans le Coran, il y a une dénonciation à l'Ul-Kitab. Et là, on trouve. Dans le Coran, il y a un livre qui est vrai. Fait quoi les causes qu'on s'inquiétait? Faveur les Créateurs. Les Créateurs sont à nous, ils sont à l'attribut. Faites-nous réfléchir au Coran et montrez-nous le Créateur sa capacité. Ensuite, donc, dans ce même Coran, peut dire voilà les gamins de Ban Yahoud, voilà les gamins de Ban Nasara, le Qad Kafar, le Dina Qalu, Inna Allah, Thalith Salata. Ben, qui peut dire les Créateurs, les 1, 2, 3. Ben, n'a pas fait confondre. Alors, il y a beaucoup de manières de Coran, Ahlul Kitab. Alors, le Coran, c'est un livre qui est vrai. Il n'est pas bien embête ou. Un livre qui vient pour embête ou. Il est pour tous ou l'émotion. Il est pour essayer embête ou. Il est pour essayer embête ou. Correct, vinitoi. Coran n'est pas un livre qui peut essayer embête ou. Les fait où trouve clair. Gette les gamins qui est dans le côté Ahlul Kitab. Gette les gamins qui est dans chez. Les gens du livre. Alors, le Coran n'est pas fait pour embêter. Le Coran n'est pas fait pour ouvrir les gens. Et quand on dit, hein, c'est un livre qui, quand nous écoutons un plaisir, nous pouvons écouter les faveurs d'Allah, le Souverain Créateur, une faveur. Nous pouvons écouter le Créateur, Souverain Signe, un plaisir pour écouter. Nous écoutons. Allah peut dénoncer Ban Yahoud, Ban Nasara, un plaisir pour écouter. Un plaisir pour écouter. Ensuite, nous avons aussi le Coran. L'information qui est dans le Coran, l'histoire de l'homme, l'eau, salatera et son conflit avec Satan. Le Coran, il y en a beaucoup. Dans la Surah Baqara, dans la Surah A'raf, dans. Plusieurs sourates, une cause concernant Adam, la création d'Adam, comment Adam est dans Jannah, comment Iblis est en Bethli, comment Adam est sorti de Jannah, et comment l'ennemi est déclaré entre Adam, entre Iblis et Adam et son descendant. Alors, dans le Coran, une cause concernant quoi d'elle? L'histoire de l'homme. Oh, toi, insan, toi, humain, compte l'histoire, compte l'origine, compte qui est arrivé. Et Saint-Dimon, il réfléchit là. L'histoire de l'homme, comment finit là Adam, et comment Shaitan finit séduit Ali dans Bethli. Alors, il peut vivre sur la terre là, d'une façon qu'il peut toujours prendre son précaution. Attention, attaque de Shaitan. Attention. Attaque de Shaitan. Donc, le Coran, une cause concernant l'histoire de l'homme et son conflit avec Satan. Numéro 8, pas mal qu'il chose important qu'il y a dans le Coran. Comprends bien, le Coran, c'est un seul livre. Un seul livre, il y a tout ça qui chose là-dedans. Comment dire, différents coulées. Un coulée, une cause concernant réfléchir le Coran. Un coulée, une cause l'existence du Créateur. Ben nom du Créateur, famille du Créateur, légalement Ban Yahoud, Ban Nasara, l'histoire de l'homme, l'information concernant Ange, Ben Djinn,
en tant que deux créatures invisibles qui parfois sont possibles, je t'apparais à l'homme. Dans le Coran, il cause concernant djinn. Dans le Coran, il cause concernant un ange. Et ça, il est important pour nous. Parce que quand nous sommes beaucoup de gens, je tombe dans les garments. Quand je ne suis pas capable, quand je ne suis pas comprendre qui, il y a quelque chose qui peut arriver, mais Shaitan peut manipuler les autres. Shaitan peut embêter les autres. Par exemple, un dimon est venu côté une rose. Il veut pleurer avec Rosca, il veut pleurer avec Rosca, fais-moi gagner ça, moi dans la difficulté, sape-moi, tiens-moi des problèmes. Il veut pleurer avec sa Rosca. Il trouve l'homme peut couler depuis les yeux sa Rosca. On a une statue. Et là, quand je fais statue, bon Dieu, je fais une propre statue, ça. Parce que, salam. Personne ne parle de mon Dieu. Personne ne parle de mon Dieu. Quand Dimon vient pour décrire, faire, quand je viens pour faire portrait mon Dieu, je fais ce propre portrait, je présente ça comme mon Dieu. Alors, mon Dieu, qui Dimon fait ce portrait, il croyait Dimon même. Alors, l'homme peut couler depuis l'Igée, mon Dieu. L'homme peut couler depuis l'Igée, mon Dieu. Il est possible. Dimon vient côté nous. Bon Dieu. Qu'il est acheté depuis la Chine, tu es vendu la bazar, une casse-prix, tu 450, une casse-prix, il y a un dollar 375. Après, lui, il commence, prier lui, il va pleurer devant sa statue-là, et il trouve l'homme qui est coulé dans sa ligée depuis cette statue-là. Il est possible? Il est possible? Il trouve ça? Oui, il est possible. Il est possible. Un djinn qui trouve ça, il peut connaître qui se appelle le monde des djinns, il connaît le monde des anges. Alors il n'est pas pour embêter par ça. Il vous dit, ah ben, lui là, djinn qui joue avec l'esprit djinn qui fait quelque chose, il fait certainement quelque chose. Par exemple, un djinn, comment, un. Égaré pour expliquer, et tout le monde peut manger l'eau la rivière, poisson peut sauter, puis embrasser le pied, puis embrasser le pied. Poisson peut sauter, puis embrasser le pied. Possible ça? Il est possible? Oui, il est possible. Comment? Shaitan peut s'en aller, puis aller. Shaitan peut s'en aller, puis aller. Alors, dans le Coran, il cause concernant le monde des djinns, le monde des mananges, qui, quand un humain, il est conscient de ça, il n'est pas pour les. Les poids les créateurs, ils ne vont pas vous ils ne vont pas adorer. Je vous dis, il y a beaucoup d'animés, quand vous pouvez qui je peux adorer, je ne trappe pas un démon, je peux adorer. Après, je sens aucun la honte. Je dis, musulmans, ils prient bon, ils prient Allah, ils paient, ils prient Allah, financer les pour paix, ils prient Allah avec la frayeur, nous nous prions Allah avec la, nous prions nous bon Dieu avec l'amour. Et de nous ghetto. Fille de mon Dieu. Donc, fille de mon Dieu, pas moi qui a fait sa poterie là. Toi-même, nous, musulmans, nous ne sommes pas d'accord avec poterie bon Dieu. Le créateur est unique. Pénas se semblable. Personne n'a pas respect à Noël qui ressemblait à lui. Personne n'a pas trouvé lui. Pénas poterie bon Dieu. Toi qui crois dans poterie bon Dieu, fais un poterie qui s'en va pas pour un père, ça. Fais un poterie qui n'est pas pour faire du monde un père. Alors, quand nous guettons beaucoup de gens, je tombe dans les gamins, c'est parce que quand je trouve quelque chose en dehors capacité de l'homme, je crois dans la divinité de sa mal quelque chose là. Alors, je commence à prier ça. Tandis que dans l'islam, il met en face le monde des djinns. Pareil que moi, oh toi, homme, tu es un humain, tu es une créature, une espèce qui s'appelle humain, et il y a encore une espèce qui appelle ça djinn, et il y a une autre espèce qui appelle ça ange, je suis là, je suis invisible, je suis là, je suis invisible. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé, au cas où on trouve un quelque chose qui vient dans l'air, on peut trouver, on va dire, on va se prier, non, c'est. Bandin, alors c'est une autre information que le Coran contient. Parmi les numéros 9,
l'histoire de certains ben, prophètes du Créateur et comment ce ben, opposant fait périr. Ça aussi, il y a ça dans le Coran, l'histoire de Nuh alayhi salam, le peuple des Ad, le peuple des Thamoud, le prophète Lot, le prophète Ibrahim, le prophète Moussa. Il raconte l'histoire des ben, prophètes et comment ce opposant fait périr. Comment ce opposant fait périr. Alors, c'est une connaissance importante. Qu'un djimoun, ils ont besoin de ça pour qu'ils vivent avec une conviction qu'il a la vérité pour faire victoire. La vérité, les bouddhains, ils sont déçus, l'opposé. Numéro 10, l'invitation vers la prière que les créateurs viennent prescrire. Dans le Coran, il dit à nous, faire salat, donne zakat, garde rosa, faire hajj, il fait mention de la loi concernant la prière qui est là dans l'islam. Comment un démon ne vise à faire la prière pour les créatures. Parmi numéro 11, l'enseignement de cette invocation pour nous bien-être et nous prospérité. Dans le Coran, il y a un dua. Un dua. Honorable. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن بيجوا من دعاءكم ربنا ربنا في من يفو بأفوكاشون دمن لكرياتير دمن لكرياتير pour ton bien-être dans dunia pour ton prospérité pour ton bien-être et ton prospérité dans dunia et dans akhirat. Alors avec le Coran, qui tu peux contenir? Et tu peux contenir l'histoire de l'homme et son conflit avec Satan. Là, nous veut dire le Coran peut contenir une invocation. Dans les langues, je peux dire le Coran peut contenir, peut dénoncer les gammes à le kitab. Là, nous veut dire le Coran peut enseigner une doa. Alors, tout ça là, comment dire, malgré qu'il y a un, les différents de l'autre, cause, par exemple, l'histoire de Nuh, l'histoire de Nuh, et par exemple, la fin des sourates, Ali Imran, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa nahari la ayati li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka, faqina adabana, Rabbana, Rabbana. Alors, c'est là que je te raconte l'histoire de nous. Ici, c'est Rabbana. Des petites choses différentes, mais le Coran et l'isolie ensemble. L'isolie dans ça, c'est le Coran. Parmi le Coran, il y a l'invitation de la bonne qualité qui vous est dans l'homme et avertissement pour une mauvaise qualité répugnante. Par exemple, dans le Coran, une cause concernant. Cause vraie. Le Coran fait un avertissement contre l'arrogance. Le Coran, une cause concernant l'humilité. Il avertit contre l'avarice. Le Coran, il enseigne un dimon de bonne qualité qu'il y en a dans lui, la générosité. Il avertit contre une mauvaise qualité. Un dimon capable de dans lui. Alors, bonne qualité qu'il y a dans l'homme. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Donc, Coran, une cause concernant ça. Ça, c'est une bonne qualité. Développe ça dans toi. Ça, c'est ma mauvaise qualité. Pas l'espoir touché par ça. Par exemple, dans Coran, une cause concernant l'humilité. Wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi, hauna. Ban serviteur du rahman, dans cette masse, dans la terre, cette masse avec humilité. Une cause concernant l'humilité. L'autre côté, il a vécu contre l'arrogance. Voilà, tamshi fil ardi maraha. N'a pas marché l'eau la terre avec l'arrogance. N'a pas marché l'eau la terre avec l'arrogance. Comme ça, même l'invitation vers une action noble qui le créateur content. Et l'avertissement contre une mauvaise action qui le créateur détesté. Et une action qui Allah content. Faire sa bonne action là. Par exemple, la charité. Les créateurs contents. Dans le Coran, ils mettent l'emphase sur la charité. Par exemple, dans le Coran, une cause concernant
zina, une action qui a la détesté au toi, insan reste loin de ça. Alors il y a une qualité qui est dans nous, une bonne qualité, une mauvaise qualité. Comme ça, il y a une bonne action qui est faire, une mauvaise action qui est faire. Donc, le Coran dit à nous, ça c'est une bonne action, l'exemple de une bonne action. Fais ça, une bonne action là. Fais un recours, fais un sajda, un bon torah. C'est une bonne action, par exemple, qui est dans le Coran. Et aussi, une mauvaise action. N'a pas l'air de la voix, il n'a pas l'air de la voix, il a sorti le hamir. La voix plus dégoûtante auprès d'Allah, c'est la voix pourrie. N'a pas l'air de la voix. Agir bien envers ton maman. Envers ton papa, envers voisin, et mon comportement, et aussi mon action. Et aussi, numéro 14, la mention de la loi du Créateur qui concerne la prière, nous avons une transaction l'argent, nous relâchons avec famille, et nous passons pour BNN pays. Et, subhanallah, Coran, et la loi ibadat. Quand je te lève, ya yu alladina amanu, ida kumtum ila salati, farusilu wujuhakum, wa idiyakum ila marafiqi, omsakum ila usikum, arjulakum ila ka'bay, omankim ila iman, quand je te lève, pas que salat, ya wudu. La loi concernant qui était ibadat, la loi concernant transaction, wa ahallallahu al-bay'a wa harram al-riba, Allah légalise la vente, il décrète l'intérêt, haram, nos relations avec famille. Comme on dit, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La loi, comporte-toi bien avec tes parents, comporte-toi bien avec ton voisin. La loi concerne nos relations. Et différent la loi. Et aussi concernant la façon de gouverner un pays. La loi concernant le djihad, concernant le gouvernement pays, par exemple, voilà, yajlimannakum shana'an wa qawmin ala alla ta'adilu, i'adilu wa aqrabu lit taqwa. Oh ben, musulman, pas les dégoûts qui tu es là pour ban kafir, faire l'injustice envers ban là, mais faire l'injustice envers ban. Sa kafir qui mauvais là, sa kafir qui t'apporte toi djito là, pas faire l'injustice envers lui, faire l'injustice envers lui. Ça, c'est la loi. Concernant quoi, djihad, concernant relation pays, ou bien aussi concernant traité de paix. Si un pays musulman est un pays kafir, je peux aller un traité, bien aller un traité. Aller un traité. Alors, le Coran est la loi. Fait que là, nous disons que le Coran fait cause concernant. Et puis, il est rentré. Si je côté madame, là, je vais vous crier. Et puis, c'est que là, nous devons dire le Coran et la description des créateurs. Le Coran, il fait mention du nom d'Allah. Et là, nous devons dire le Coran, la loi concernant la prière, la loi concernant l'argent, la loi concernant le gouvernement du pays. Numéro 15. Le Coran fait mention, c'est un événement dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Filina iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar la lin fin fan. Un événement dans la vie du prophète. Ou bien, subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Allah, retourne-nous, Baitul Maqdis. Allah, retourne-nous, Baitul Maqdis. Allah, subhanahu wa ta'ala, retourne-nous, Baitul Maqdis. Définitivement, il peut retourner. Mais ce n'est pas nous qui décidons quand il peut retourner. C'est Allah qui peut retourner, nous. Le moment qui nous peut mériter qu'Allah retourne-nous ça. Qu'Allah retourne-nous. Alors, c'est un événement. Dans la vie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait référence à ça le Coran, le messager de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a certaines petites choses qui viennent mention concernant lui. Dans le Coran, numéro 16, il y a dénonciation des bannes hypocrites. Il y a une surah même, surah al-Munafiqun.
Le Coran, il pose beaucoup concernant les munafiqs. On va commencer dans la sourate Baqara. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما مؤمن سام سبجنا إنا زمن إيمان زمن إيمان لا سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كوسوس المنافق دا سورة نف يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. Une cause concernant le munafiq. Surah 63, « Ida ja'aka al-munafiqoun ka munafiq » Le Coran, une cause concernant le munafiq. Munafiq, dites bien. Coran, c'est une cause concernant le munafiq. Qui s'en la Torah, par la tribu de Torah. Une cause concernant l'histoire d'Adam, Iblis. Une cause concernant le prophète Nuh, Ibrahim. Une cause concernant l'ibadat, salat. Une cause concernant l'humilité, l'arrogance. Une bonne qualité, la générosité, une cause pour ça, une bonne action, charité, la vérité pour une mauvaise action, par exemple, zina. Et là, une cause pour ça, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là, une cause pour ça, munafiq. Tout ça là dans le Coran. Tout ça là dans le Coran, et qui nous a besoin de ça. Dans le Coran, une cause pour ça, munafiq. Numéro 17, dans le Coran, il dénonce un infidèle qui fait oppose la vérité. Dans le Coran, une cause pour ça, من كافر إن الذين كفروا إن الذين كفروا تشوف القرآن إن كوز كونسنا من كي أولي قوى دالي كرياتور زن غفيس قوى دالي كرياتور القرآن إن كوز كونسنا من كي أولي عدو لي كرياتور زن بغفيس ado les créatures. Le Coran une cause concernant ban qui olie ado les créatures, c'est ado ban créature. Le Coran une cause concernant ban qui olie accepter la religion du créateur, c'est oppose la religion du créateur. Le Coran une cause concernant ban kafir. Ban kafir. Inna al-kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ban kafir c'est ban l'ennemi au clair pour eux. Ban kafir c'est ban l'ennemi au clair pour eux. Alors, il y a une cause concernant le kafir. Le kafir, comment se dit, ce qui vient dans le numéro 18, description, la fin du monde. Le Coran, le cause concernant l'histoire d'Adam, l'histoire de Noé, l'histoire d'Ibrahim, Zakat et. Comment ça se dit? C'est pas avancé. Concernant quoi? Et là, les causes qu'on s'inquiète, la fin du monde, et de chamsu kouwirat, et de sama un fatarat, et de sama un shakkat, ou même amma et de sa'aloun. Les causes concernant la fin du monde, comment les mondes pour détruire? Les mondes pour détruire. Qui est-ce que tu peux causer dans les lacs et qui peut causer ce là? Dans sa même Coran. Dans sa même Coran, elle veut dire, il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. La fin du monde. Et ensuite, maintenant, le Coran, numéro 19, la mention de la preuve logique qui affirme la résurrection. Il veut dire, le Coran, une cause concernant après la vie, après la mort pour régner la vie, après la fin du monde, pour régner un autre monde. Pour régner un autre monde. Et le Coran, il met l'emphase là. La vie après la mort, la vie après la mort, la vie après la mort, dans différentes façons, il nous a fait une proposition juste pour là, comment l'islam invite pour croire dans la vie après la mort, et qui ça, l'épistémologie, par exemple, voyez un point, si mon croit dans mon existence, comment vous capable de démentir mon propre existence une deuxième fois. Quelque chose qui est difficile, un démon, par exemple, laptop, computer, à ce temps-là, ben qui arrange laptop, computer, peut-être pas, prenez-moi, dans une semaine ou bien moins, plus, vous m'apprenez, vous pouvez l'amener, je vous demande un laptop. Mais imagine, premier laptop qui t'est arrangé, combien peut-être banané il me prend pour arranger un premier computer, un premier laptop. Ensuite, à ce moment-là, j'ai mis des affaires
Alors, tout qui est chose comme ça, et pourquoi Allah ça n'est pas appliqué, premier, deuxième, n'est pas appliqué, Allah, il est sur connaissance, il déjà englobe tout. Comment toi, insan, tu as pu poser la question, mais tu peux trouver ça difficile. Allah pour recréer toi, tu peux trouver ça difficile, Allah pour recréer toi, quand il crée toi pour la première fois, qui est difficile là-dedans? Et ce qui prouve qu'il peut être la vie après la mort encore, parce qu'il y a un salaté là, il y a un bon djimon, il y a un mauvais djimon. Par exemple, il y a un djimon, je vais prendre plaisir pour cette bombe, pour tous les enfants. Et nous, si nous pouvons marcher, nous les pieds d'elle pour craser un insecte. Nous voulons, nous les pieds d'elle pour les craser un insecte là, parce qu'il y a la vie ça. Qui te parle tu es une créature pour nous? Un djimon n'est pas péroulé, tout y a un insecte. Inutilement, le côté de ce des bombes, pour tout, madame, enfant, ils ont besoin de plaisir. Mais puis c'est un jour qui appelle pour Yama. Pour un jour qui appelle, tout ce qu'il fait, on l'a dit. Il y en a qui peuvent faire bon, il y en a qui peuvent faire mauvais, mais pour un vous pouvez prendre en compte tout ça, et effectivement, numéro 20, l'encouragement pour la préparation pour la vie après l'amour. Dans le Coran, il dit à nous, par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Au banc, il a mis l'iman, qu'il y a taqwa Allah, et qu'il y a chacun qui est préparé pour demain. Dans le Coran, il dit à nous, prépare-toi pour après l'amour. Prépare-toi pour après l'amour. Prépare-toi pour après l'amour. Numéro 21. Description du jour du jugement. Comment ça joue là pour être le jour du Qiyama? Quand pour vous rendre compte avec Allah. Quand il y en a pour rendre compte avec Allah. Quand il y en a certaines pour gagner solide de la main droite. Il y en a pour gagner solide de la main gauche. Quand Pépé, ben action, l'eau. L'eau balance, il y a sous balance lourd, il y a sous balance léger. Quand il y a pour passer l'eau sapon, là, dans le Coran, il fait mention, il décrit un petit peu. Le jour du jugement, il dit, dans le tribunal, Allah, ça m'a pas été. Il me revient des descriptions de la punition du créateur à la désobéissance dans l'enfer. Dans le Coran, une cause concernant l'enfer. Elle est là qui nous dit, dans le Coran, des causes concernant malfaveur Allah. Dans le Coran, une cause concernant certains événements dans la vie du prophète Mohammed. Dans le Coran, une cause concernant l'infidèle, le kafir. Dans le Coran, une cause concernant l'hypocrite. Dans le Coran, une cause concernant Jahannam. Parce que celui qui content pour désobéir à Allah, les trouve lui là-bas. Et numéro 23. Dans le Coran, une cause concernant description, récompense du Créateur avant obéissant dans le paradis. Nous, il y a ce qu'on appelle Jannah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal-ardu u'iddat lil-muttaqin. Précipitez vers pardon Allah et précipitez vers Jannah qui sont grandées, les comment dire, grandes les chiens et la terre pour être préparés pour le muttaqin. Il est préparé pour aller au Tarpi. Alors, le Tchèque, le Coran, une cause concernant Jannah, une cause concernant l'enfer. Donc, mon frère et ma soeur, c'est pas pour le fanatisme qui nous pédait équipe pour le Coran. Dites qu'il y en a dans le Coran. Quand nous pédions le Coran, ça c'est, on va dire, nous n'assisons, nous réfléchissons un petit peu le contenu du Coran, nous résumons en 23 points. Peut-être il y en a 27 points, nous ratons pour 4 là-dedans. Peut-être nous ratons des points. Mais seulement quand j'ai mon réfléchi, qu'est-ce que ça un livre là? Il y en a 123 qui sont là-dedans. 23 coulées, comment dire, d'un seul livre, et qui se tournent en harmonie. Un paix supporte l'autre, un paix marche à côté l'autre, et tout permet-nous d'une seule direction le chemin droit. Tout permet-nous d'une seule direction le chemin droit. Donc, mon frère et ma soeur, ça c'est le Coran. Qu'on valait le Coran. Qu'on valait le Coran. Afin qu'à travers le Coran, vraiment nous trouvons
comment il y a un sens, moi, dans la vie. C'est un dimanche, il lit le Coran tous les jours, il apprend ce Coran, il révise ce Coran, il étudie ce Coran, mais définitivement, pour un sens, moi, dans la vie. Alors, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous terminons avec sa leçon-là, et des semaines, Inch'Allah, pour la leçon, et là, quand vous pouvez retourner, Inch'Allah, vous pensez, parce qu'il y a un peu de temps, nous allons faire un peu de leçon faire, et il y a autant de révision aussi, et nous pouvons essayer de faire peut-être un règlement salat, vous pourrez commencer un règlement salat, Inch'Allah, et le commencement. Parce que je dis dans le terme, sallallahu alayhi wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je vais la tester, on va venir à la tour. On va venir à la tour.